Bonjour à tous, yo les cœurs, amis de Café Gaming, c'était Margot, oui, de retour bien sûr, nouvelle caméra, merci au poteau, à Flo, big up à toi. Donc on commence et j'espère que vous allez très bien parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et puis, café, tout le monde l'appelle café, mais Flo m'a autorisé à faire une petite vidéo cette semaine. Et puis comme le planning n'était pas chargé cette semaine, donc on va faire un jeu test parce que cette semaine c'est Halloween. C'est la démo d'un jeu que j'ai envie d'acheter, bien sûr, pour l'année prochaine, qui sort l'année prochaine, Carrion Sneak Peek, qui est sorti cette semaine en démo. Alors le vrai nom du jeu c'est Carrion, on va pouvoir le tester, c'est une démo qui est sortie sur Steam, elle est disponible jusqu'au 2 novembre si vous voulez tester, si vous voulez vous tester par vous-même, je vais la tester entièrement ici, donc il n'y a pas de souci. Elle est gratuite sur Steam, vous pouvez bien sûr la télécharger sur Steam. Oui, je répète plusieurs fois, je pense. De toute façon, je répète toujours plusieurs fois dans mes vidéos, parce que c'est comme ça. Voilà. Et on va s'attaquer au jeu. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit semaine d'Halloween. C'est un jeu d'horreur inversé. Et ce qui dit inversé, ça veut dire qu'on contrôle le méchant. Et ça, c'est bien le méchant. Le méchant. Le méchant. Voilà, on va y aller. C'est parti pour la petite démo. Alors, pas très longtemps, bien sûr. Le jeu, je connais par cœur quasiment. Par cœur, bon, je risque de fail encore. Mais bon, je me connais. Donc, c'est parti. La petite démo, fin de l'intro, super longue et chiante. Voilà. Ça y est, nous sommes sur le jeu, l'alpha version Sneak Peek Build. C'est pour ça que je l'ai dit Sneak Peek, mais le vrai nom du jeu c'est Carrion. Et donc on va pouvoir s'attaquer à la démo. La démo, alors comme vous pouvez constater, c'est creepy déjà. Enfin pas creepy, hein, c'est un genre 2D bien sûr. Et on va s'attaquer à la démo. Alors qu'est-ce que c'est que le but du jeu? Parce qu'il y a toujours un but du jeu quand tu manges un... quand tu t'es un monstre comme ça. Et voici le nom du jeu, voilà. Alors je sais pas, c'est Carrion, Carrion, parce que c'est un jeu anglais. À l'origine, Carrion, alors là par contre ça fait un peu moins peur, Carrion. Bon, à part les petits effets sonores, la musique là c'est vraiment, vraiment de ouf. Alors par contre c'est son avis qu'à la souris, pour ça il faut avoir un peu de skill à la souris. Et vous pouvez vous constater, voilà, je suis le méchant. Le méchant. Alors durant cette vidéo je vous donnerai des astuces pour éviter ce genre de monstre à ma manière, donc n'écoutez pas ce que je dis quand même, on ne sait jamais. Voilà, ah, nous sommes dans les souterrains d'un laboratoire, sûrement. Avec ce superbe son. Voilà, déjà, parce que là, laboratoire ou un truc comme ça, bien sûr. Je spoil un peu mes gars, ou je sais pas, je sais même pas. Même à la fin d'avoir testé la démo, je sais même pas si c'est un laboratoire, un truc comme ça. C'est un souterrain, c'est sûr, c'est sûr. Je ne vous spoilerai pas plus. Alors, petite astuce pour les petits parisiens. N'utilisez pas les toilettes dans les métros s'il y en a. J'ai jamais trouvé des toilettes s'il y en a dans un métro, en tout cas. Mais, voilà. Il ne faut jamais tester, parce que là, nous observons première salle, premier humain. Toilette. Oui, il y a des urinoirs et tout. Là, c'est pas mal. J'ai vu des alphas du jeu. Alors là, le mec, c'est que je suis juste à côté de lui. Et le mec... Voilà, c'est ça le but du jeu. Voilà, vous allez commencer à comprendre. Il faut manger des gens pour grandir, survivre. Et on a un monstre écologique, bien sûr. Voilà. On va éteindre les lumières. Et on est gentil, on va ouvrir les portes. Voilà. On va faibou. Et le faibou, c'est délicieux. Surtout, alors est-ce que cet épisode est considéré comme vegan? Je ne sais pas. On mange de la viande, mais on tue des humains, donc... Est-ce que c'est ça équilibre? Je ne sais pas. Voilà, on va... Oh, voilà, c'était la petite anecdote de ouf. Voilà, on va... alors, les humains armés et tout. Alors, comment faire pour des humains armés? Je ne sais pas. Et là, nous atterrissons. Là, il fait un petit barre espace. Et nous avons une petite barre de save. C'est bien ça. Alors, là, nous avons une petite animation de trappe. De trappe que ce soit, bon. De tentacules sur une porte, ouais, une porte plutôt, un sas. Voilà. Alors, nous avons ordre de tirer sur toutes les choses qui bougent et qui ne paraissent pas humains. Alors là, cette fois-ci, la traduction est sûre et claire. Avec Emago, vous êtes sûr de trouver des bonnes traductions. Je rappelle que Flo a des petits soucis en anglais. Et là, il va me tuer parce que j'ai dit ça sur sa chaîne. Enfin, principalement notre chaîne, mais c'est plus lui le gros propriétaire. Celui qui est le plus gros actionnaire, celui qui met les couilles sur la table.
Je les ai pas encore vus, mais c'est moi. Non, je déconne, putain, ce serait bizarre, putain, non, non, non. Alors, consumer les putains, non, non. Non, mais je garde ça au montage, putain, c'est ça qui est bien. Consumer les humains pour gagner la biomasse et grandir en taille. Oh là là. Ah, je commence à m'inquiéter. Le premier mec qui est en PLS dans les chiottes. Oh là là, attends, il se vénère là. Oh. Attends, il y a des humains vénères. Voilà. Alors, petite astuce qu'on a un monstre, à part en humain cette fois-ci, hein. Foncez sur tout ce qui bouge avant qu'il tu vous tire vraiment dessus. Ah, le mec, il essaie de survivre, quoi. Voilà. Voilà, on va faire bout. Alors, comme vous pouvez constater, il y a une barre de vie en haut qui a 5 points. Oui, c'est pas grand-chose, 5 points de vie, mais croyez-moi, c'est largement assez pour ce que... Oh, tu arrêtes ta connerie, moi j'ai faim, voilà. Alors, on va passer à la salle suivante, parce que ça sert à rien si je... Ah, merde, putain, il est tombé mon morceau de viande. Oh là là! Putain, danger, la tour. Le bouclier de la tourette est opérative et peut. Ouais, bah, j'arriverai pas à traduire là. Ouais, j'avais dit traduction. Le mec, il a fait un dab! Non, mais sérieux, j'ai vu faire un dab! Putain, le mec, je le regardais dans ce coup, le mec, il a fait un dab! Ok, bah là, je sais, bah, je connais de toute façon la démo. Faut passer par là. Oh là là, il me reste un point de vie, oh là là, oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Vous inquiétez pas, normalement, on va y arriver sans perte de vie. Ce serait bien de faire... par contre, c'est un peu plus chaud, je connais cette partie du niveau. La partie... Non mais le mec, il spoil tout le temps, il se spoil lui-même, il spoil pas les viewers. Enfin, je sais, il spoil les gars viewers, mais c'est vrai que c'est chaud. Là, le mec du dessus m'entend. Ah putain, j'aimerais trop pas cramer. Pas me faire cramer. Voilà, c'est bon. Alors, MBB, ah d'accord, ok, je peux... Ah oui, c'est vrai, je peux faire Spider-Man. C'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a... J'ai vraiment utilisé ce pouvoir. Non, là, putain, attends, fais gaffe, j'ai qu'un point de vie. Ça va, c'est vrai, c'est son bouclier, il me fait rien du tout, c'est pas trop méchant. Par contre, mec, le mec, il... Ah putain, ça me rappelle Half-Life, ça, les mecs qu'on tue. Par contre, là, avec un point de vie, c'est chaud. Putain, j'espère qu'il y a un checkpoint bientôt. Je me souviens plus s'il y a un checkpoint bientôt. donc, on va s'attarder. Ah, si, il y en a juste un là. Ça va être pas méchant. Et Mago, il va juste devoir rush un peu. Avec un point de vie, putain, j'ai pas envie de retourner au pressant. Voilà. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a juste une tourelle à côté. J'ai activé une tourelle spéciale anti-imago. Oh putain, non mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais il est pas censé être là cette... Non, il est pas censé être là cette merde, c'est la première fois. Non, ça fait combien de parties que j'ai fait? Et la tourelle, elle est là, putain. Non. Là, c'est quoi ce bordel? Non. Elle est pas censée être là, cette putain de tourelle. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Non, va le côté. Non. Et ben coup, non. Cette souris, elle est pas censée être de ce côté du sas. Ça va, l'IA de ce jeu, elle est pas si développée que ça, donc... Voilà, sinon elle m'aura déjà fait buter. Voilà, c'est bon, on se calme. Voilà, c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu bizarre. C'est un jeu creepy, mais pas... Alors, ici, nous avons des symboles bactériologiques. Alors, quand on est un monstre, il faut y aller tout de suite. Quand il y a de la radioactivité, peut-être, je sais pas encore. Mais quand on est un monstre, faut y aller. Surtout un monstre avec dégueulasse comme ça. Alors, on va... Ah là là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, c'est de la feu-boue. Et ouais, on a débloqué un skill, le dash. Endommager les portes en bois, les,
les tourelles, enfin je sais plus les tourelles, j'ai pas le temps de lire vraiment, j'ai fait le mec qui a pas le temps de lire. Et les ventilos, par contre les ventilos j'ai jamais réussi à tuer. Voilà, on a le pouvoir du greux, le méchant greux. Voilà, ça va vite vite. Mais là c'est bien dégueulasse comme il faut, c'est bien délicieux. Là on fait bien le monstre, c'est bien dégueu. Alors là, il y a des gardes du corps pour les geeks. Alors je n'ai plus d'astuces pour les humains. Alors si les humains, il faut un maximum de lance-roquettes, des lance-flammes, tous ces pistolets, l'AK-47, les magnums, les machins, tout ce que vous pouvez trouver sur un GoldenEye. Je sais pas, c'est le premier jeu qui m'est venu à l'esprit. Il faudrait qu'un jour je le teste, ce serait bien, qui est très bien. Un GoldenEye 64, j'ai même pas encore ce jeu. C'est vrai que c'est une console 64, je l'ai pas vraiment. J'ai beaucoup de consoles, mais la 64, c'est vrai que c'est une console assez rare. J'y joue parce que... J'ai pas vraiment bien connu, il y a quelques jeux oui. Bon, j'ai arrêté de parler de ma vie, mais on va se mettre. Surtout que je parle beaucoup de ma vie sur mes vidéos, vous inquiétez pas. C'est normal, c'est la vie. Allez, on teste, on va tuer le mec. Merde, et je vais... Ah non, il faut dasher. L'astuce qu'on a en gros, c'est ça, c'est de prendre tous les méchants et de les claquer. Voilà, on a un max de feu boue, s'il vous plaît, parce que si on a plus de feu boue, voilà, ça va être un peu compliqué de... Voilà, on doit gagner en biomasse. Bioman. Cette musique est copyrightée, le Bioman. Mais vous devez la reconnaître. Pourquoi elle me tape l'épaule, moi? Vas-y, Mago, tu vas le faire. Non, mais... Mais vas-y, mais... Fais pas ton humain. Oh, putain, j'ai découpé en deux. Et heureusement que c'est un jeu en 2D, c'était en 3D, là ça aurait été Peggy 18. Moi j'irais un jeu Peggy 12. Vraiment. Mais il va se calmer là l'humain là. Ah putain, mais non mais... C'est des humains, mais là... Là les mecs, je sais pas c'est qui a créé ce genre de monstres, mais c'est sûrement des armées ou des... qui veulent créer des monstres biologiques et tout. Alors c'est souvent dans les films, hein, les États-Unis, la Chine, la Russie, machin, voilà, la France peut-être, la France ça m'étonnerait. On est tous des gros kékés. mais non. Si je dis aux Américains et tout, non, ne faites pas des monstres comme ça, c'est très méchant, regardez, moi je tue des gens. Alors si un jour ce type de monstre s'avère être bien entendu d'actualité, ce sera plus les terroristes qui passeront sur BFM TV hein. Ou CNews ou LCI ou France Info, voilà, j'ai les dit tous comme ça, c'est annulé la pub. Voilà. Quand tu dis une marque sur YouTube, faut toujours annuler en disant une autre marque opposée, comme ça, voilà. Enfin, c'est pas une marque, mais voilà. Merde, tu devais aller où? Ouais, je devais assis tourner. Vers le... Voilà, pourquoi je dash? C'est pas grave, je dash. Alors, petit retour, ça a été tout sûr. C'est vrai qu'on est vraiment au sous-sol, mais je sais pas pourquoi, il y a du feuillage et tout. C'est peut-être parce qu'il y a une grotte, il y a un effet faisceau de lumière. Et cette partie d'ici, là, que ça commence à être bien... être bien miam, c'est bien délicieux. Voilà, on ouvre le porte. Le porte, non, c'est une porte. Là, la porte. Voilà, on va pas commencer à confondre le français. Merci, je sais parler en anglais et tout. Voilà, astuce qu'on a un monstre. Toujours utiliser ses tentacules. Oh. Oh. D'accord, ok. Les hentai, c'est le début. De se faire bouffer par un monstre de ce type là. Oui, parce que les gens qui connaissent pas les hentai, c'est des trucs japonais bizarres avec des poules. Voilà. Voilà. C'est en gros les... ce qu'ils font. Oh là là, là 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 là, s'ils sortent son lance-flamme, voilà. Voilà, c'est des choses qu'on a parlé dans le vlog de Café Gaming, donc... Je peux tolérer à dire ça. Mais l'autre il va se calmer sa taronne. Mais vas-y. Non par contre là je vais éviter. Voilà, je... Non mais là le mec il... Calme ta taronne. Voilà, c'est bon. Putain, mais il y a le bruit de Tanky Walkie bien dégueu. Voilà, c'est...
Voilà. Porte suivante. Oh putain, mais c'est vraiment normal. Non, mais c'est ouf, quoi. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Alors, ce qui est pratique dans l'eau, c'est qu'on a un pouvoir pour passer à travers les grilles. Parce que sinon, on peut pas passer comme ça avec grille. Ça, ce qui est bien pratique. Donc là, on a un nouvel interrupteur. Voilà. On le descend. Nouvelle porte. Porte un petit peu... pas. Non, juste à côté. Là, des tourelles comme ça. C'est les tourelles qu'on avait au deuxième checkpoint que j'ai parlé. Mais on peut les éviter. C'est ça qui est très très pratique. Là, maintenant, on peut passer parce que niveau d'eau, elle monte. Ça évite de faire le grand tour. C'est ça qui est pratique. Ouais, bah, de toute façon, on peut les éviter. Ça ne sert à rien. On peut pas se casser. On retourne au sas. Mais c'est pas important. Puis voilà, on va aller par là. On se fait un petit peu de... voilà, on se fait un petit checkpoint. C'est pratique, on est à côté. Toujours utiliser le checkpoint. Alors par contre, non, là, par là, c'est la... c'est la grotte méchante tour. Ah, oh, on va y aller quand même. Ah, attends, je voulais pas aller aussi bas, moi. Voilà, c'est ça que je voulais pas faire, mais... voilà, comme ça, je meurs pas comme un vieux kéké. Voilà. Ah, par contre, est-ce que je me... ah, merde. Je voulais pas passer par là, mais je passe par là quand même. Ah. Ah, je me suis un petit peu fail. Ah, et Mago, il risque... putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette putain de tourelle, merde. Et je peux pas dasher, putain. Voilà, il faut faire le skill des magots, le skill des magots de merde. Voilà, il va chercher de la feu boue, j'ai laissé... ah putain, il n'y a plus de feu boue, non, on va arrêter d'aller par là. Ah, on va aller dans la porte qui vient de s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des méchants? Waouh, regardez, je suis Spider-Man, c'est trop nul. Toujours traumatiser les humains avant. Alors par contre là c'est vraiment... Y a personne avec une arme biologique, je sais pas. Ah, nous avons un petit checkpoint. Et ça c'est pas dégueu les amis. Voilà. Et nous avons... oh, les tentacules bien partout. Et nous ouvrons un sas. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière le sas? Et ben nous allons voir tout de suite. Nous allons nous y attarder. Alors, comme vous castez, les checkpoints ce sont des cœurs. Ça c'est pratique. Et voilà, on va aller rejoindre ce truc. Truc qui sert à rien. Les tourelles, on va aller par là. Non, on va pas aller par là. On va descendre. Les tourelles m'ont même pas touché. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sas? J'ai envie d'y aller, moi. Mais vous voulez y aller? On va y aller. Regardez ce que c'est. On va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a. Et c'est la fin de la démo. Voilà, je le savais. Merci. Voilà. Merci d'avoir joué. Souvenez-vous d'acheter Carrion sur votre wishlist de Steam. Wishlist, la liste de souhaits, bien sûr. Et on va go back the menu. Et qu'est-ce qu'il y a dans go back the menu? Eh ben, il y a la même chose. On retourne au menu. Voilà, c'était très très nul. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Alors, le jeu, normalement, j'ai regardé le Discord officiel de Phobia Studios. Ouais, c'est bien le nom du studio qui a fait ça. Ils ont sorti un jeu qui bug, que j'ai pas testé encore. Mais Carrion, c'est pour ça que j'ai envie de le tester. J'y voulais vraiment jouer. C'était bien ça. Alors, mes chers amis, voilà. Si vous voulez, le jeu est actuellement en démo gratuite. Bah oui, les démos c'est gratuite, mais il peut y avoir des démos payantes. J'ai déjà entendu ça, c'est ça, ok, horrible. Et le jeu apparemment est disponible. La démo est disponible jusqu'au 2 novembre. Profitez-en, c'est gratuit. Si vous voulez tester par vous-même, j'ai montré entièrement le jeu. J'ai du spoil. Voilà, si vous voulez pas spoil, bah tant pis, bah j'ai spoil. Voilà. Merci d'avoir regardé et on se retrouvera bientôt. J'ai une vidéo de préparation, voilà. Et bien sûr, bientôt, c'est l'Animest, nouveau vlog.
Voilà, je spoil pas trop ce que je vais faire bientôt, mais le problème c'est que je... voilà, entre ma chaîne et ici, j'ai du mal. Voilà, je dis à très bientôt à tout le monde. Merci aux chers buveurs de café qui nous suivent. Merci aux chers viewers. Et c'était Mago, franchement d'écoute. Mago, tout court, c'est mieux d'utiliser Mago sur cette chaîne. Qui était là. Sayonara, voilà. On y go. À très bientôt, les amis. Je vais finir ma phrase, putain, ça commence à être saoulant. Voilà, à très bientôt. Bouille. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo. Bon ben, je vais construire un monstre comme ça, et je vais trouver toi sur toute cette planète de merde. Voilà. Oh merde, comme il y a un enregistre encore. Maintenant, c'est bon.